Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les Martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor, je suis désolé. Mais bon, avant que la vidéo commence, je vais vous parler d'un coach sportif parce que moi et toute l'équipe avons décidé de se remettre au sport après ce putain de confinement. Alors le coach sportif en question, c'est Become New Fit. Je vous mets en photo les gens qui ont eu une transformation extraordinaire avant et après, comme quoi sans matériel et sans aller à la salle de sport, on peut faire du sport et devenir un monstre. Grâce à nous, vous allez pouvoir suivre un programme sportif à 1€ seulement au lieu de 129. C'est un truc de fou, donc allez-y, foncez. Vous voulez faire de la prise de masse? Become New Fit. Vous voulez perdre du poids? Become You Fit. Bref, vous l'avez compris, avec le code qui s'affiche ici, la formule est à 1€ et avec Become You Fit, vous pourrez reprendre confiance en vous en seulement quelques semaines. Alors n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, son Snap s'affiche juste en haut depuis le début et pour les feignants, le lien est en description et n'oubliez pas le code KAMOFF 1€ pour bénéficier de la promo à 1€ seulement grâce à Bibi. Je vous souhaite un bon visionnage à tous, j'espère que la vidéo vous plaira et en attendant, portez-vous bien. Ciao. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Become You Fit, c'est plus de 11 000 membres et des coachs diplômés. Ciao. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis obligé de tourner cette intro avant de vous montrer la vidéo parce que la vidéo qu'on a tournée n'était pas prévue et donc je n'ai pas eu le temps de faire d'intro étant donné que c'était une vidéo à l'improviste. Je vous explique le contexte avant que la vidéo se lance, sinon vous n'allez pas comprendre. J'étais en compagnie de mes amis Nours, Fantin et Lucas. On était en train de se rendre au centre commercial en voiture pour y faire les boutiques et sur la route, nous avons rencontré un conducteur assez fou, assez dangereux. On voyait un homme conduire de travers, enfin, comme si le mec avait bu, ou comme s'il était sur son téléphone, ou comme si carrément il était aveugle. Parce qu'il y a des moments où il a failli se prendre des voitures. Comme nous avons toujours nos caméras avec nous, au cas où, justement, si ce genre de truc arrive, nous les avons sorties et nous avons filmé la scène. Ce que vous allez voir dans cette vidéo est très grave et à ne pas reproduire. L'alcool au volant est dangereux et vous allez comprendre pourquoi en regardant cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis bon visionnage et à bientôt. Ciao. Oh là là, il se mange les trottoirs et tout, putain. Oh mon dieu. Celui-là avec la caméra, s'il te plaît. Oh là là. Vas-y, on va le suivre un peu, on va voir ce que ça dit, mais... Oh mon dieu, regarde ça, regarde ça. Mais regarde ça, regarde ça. Oh là là, là, il s'est pris des potes en plastique. Heureusement que c'est des potes en plastique. S'ils sont pas en plastique, il reste sur place, le mec. Il est dangereux pour lui et pour les autres. Regarde, regarde, il roule sur le trottoir, il roule sur le trottoir. Oh là là, combien de graves il a dans le sang. Oh là là. Mon dieu, il s'est mangé la poubelle. Il s'est mangé les poteaux de travaux et tout. Mon dieu. Mon dieu, bébé, il a mis la voiture, comment elle fait. La poubelle. Oh là là, il a failli frapper le mur. Hein. Et il se mange les buissons. Mon dieu. Il va falloir l'arrêter, les gars. Mais je sais pas comment on va faire parce que là j'ai pas de cause d'un accident si on l'arrête. Hein. On peut pas l'arrêter, regarde. Comment tu veux l'arrêter là? Je te mets devant lui, il te rentre dedans. Putain, mais attends, il va trop mal. C'est un malade, regarde comme il a tapé. Il a tapé dans la poubelle, ce fou. Il faut qu'on s'arrête. Ah, viens, on s'arrête et on va le voir. Viens, on va le voir. C'est bon, là, c'est trop. Il s'est tanké dans la poubelle. Les gars, il s'est tanké sur les poubelles. Viens, avec mon ours. Vas-y, viens. Oh, mec. Oh, oh. Ça va? Oh. Bonjour. Ça va? Wow. Ça va? Attends. Oh. Tu viens? 17.
Donne-moi ça, donne-moi ça. Ah, donne-moi ça, attends, pose-toi, assieds-toi, assieds-toi. C'est ma bouteille. Attends, c'est... attends, non, sois pas violent, assieds-toi. Tu veux qu'on appelle la police, assieds-toi. Tu te rends compte que tu conduis bourré? Tu te rends compte comment tu conduis là? Pas bourré. T'as vu ce que tu as fait sur la route? T'as rendu compte? T'as vu ce que tu as fait là? Je suis garé. Là, tu t'es garé? Non, même pas parler avec lui. Tu veux pas parler avec lui? Attends. Tu veux pas partir comme ça? Oh mec, faut pas. Je rentre à maison. Je vais te prendre la voiture là. Tu sais que je vais prendre la voiture? C'est moi, j'ai les clés. Non, mais t'es... il s'est même pas rendu compte. C'est nous, on t'a pris les clés. Elles sont là, les clés. Tiens. Mais oui, c'était. Mais pourquoi tu as mes clés, toi? Mais il a tes clés, c'est normal qu'il a tes clés. Ça, je m'avais volé, vous. Non, t'as pas volé. J'ai appelé la police. Tu sais que. Non, t'as mis la police. Je vais appeler la police. Écoute-moi, il faut que tu restes là tranquille. D'accord? Il faut que dormir. Non. Écoute, non, tu peux pas rester. C'est comme ça. Tu peux pas, tu as la voiture ouverte et tout. Tu viens de faire. Mais c'est une poubelle. Je serais fermé, je te dis. Attends, Lucas. Lucas, laisse-le. Vas-y, viens, on va prendre. Je sais pas. La merde. Moi je prends sa place, je m'en bats les couilles, je balance. Hein. J'appelle les flics, y'en a rien à foutre. Oh, regarde ce qu'il a fait à la voiture. Maman, il a explosé la voiture, il a dé. Vé, il a tout niqué, vé. Vé les bouts de verre par terre encore, vé. Maman, en gros, il y a un gamin derrière. Attends, je passe de l'autre côté. Oh, il y a un enfant derrière, quoi. Il y a un enfant derrière. Il a oublié son fils, mais filme-le. Attends. Fais-moi passer le gosse. Fais-moi passer. Récupère le petit. Nours, tu arrives? La porte elle s'ouvre pas, il a enfoncé la porte de l'autre côté. Récupère mon fils. Ah, c'est mon. Il dort, non? Il dort. C'est à moi. Allez, lève-toi. Touche pas le petit là, à partir de maintenant, c'est plus la même chose. Mets le vignot dans la voiture. Non, hop. Ça va pas se passer comme ça là. Là, c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même histoire. Là, c'est plus la même histoire. Tu voulais pas rentrer chez toi? Rentre chez toi. Discuter avec toi. Mais je peux discuter. Non, je peux pas. Si. Mais regarde l'état que tu es. Regarde l'état que tu es. Moi, je suis pas ton frérot. Je te connais pas. Non, tu peux pas récupérer. Tu le mets en danger ton fils. Tu te mets en danger en toi et tu mets en danger les autres. Non, moi, je peux pas récupérer. Écoute-moi. Écoute-moi. Oh, je peux pas discuter avec toi tant que t'es bourré. Je suis pas bourré. C'est pourquoi je tombe sur moi, ça? Je suis pas bourré. Je suis tranquille, on sort tranquille. Je suis bien. Bon. J'appelle les flics. Arrête de jouer au con, j'appelle les flics. C'est toi qui m'as volé les clés. Bon, allez. Moi, je veux faire même un autre. Le faire, toi. Oh, allez, stop, allez. Oh, allez, arrête. Arrête. Allez. Non, je vais être donné. Je vais... Bah, va t'asseoir d'abord. Va dans la voiture. Allez. Allez, monte dans ta voiture. Monte à côté là. Monte. On fait une balade. Moi je conduis. Non, c'est moi, je conduis. Tu n'es pas en état de conduire. Assieds-toi. Allez, rentre les jambes. Putain. Allez. Ça me fait, je l'amène au flic. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Pourquoi l'enfant? Il essaie d'enfant. Ah, par contre. Arrête de m'insulter. Arrête. Ah, tu veux revoir ton fils? Tu veux le revoir? Alors arrête d'insulter. Tu te rends compte là ce qu'il a fait? Oh, il est un enfant derrière, frère. Le petit, ça va? Ouais. Il dort? Il dort? Ouais. Lui aussi, il dort. Hein. Bah. C'est rigolo, mais. Ça tombe sur moi, ça. Hein. On était tranquille, frère. On le fait, je le fais, je prends sa voiture. Je vais faire des tours. Je vais le faire vomir. Pour faire des cuvées. Et après, je mets les images au flic. Frère, le petit, on ne peut pas lui rendre. Hein. En fait, faut aller au flic dans tous les cas. Gros. J'ai pris la voiture du mec hein, bourré, là. Il dort. Ma foi. Il dort. Il y a Fantin qui nous suit en voiture. Le petit, il est dans la voiture derrière avec Fantin. Voilà, il dort. Tranquille, le type. Donc là, les gars, on est arrivé sur un terrain vague. On va faire décuver notre ami. Il est encore en train de dormir, donc on va le réveiller comme il faut. Hein? Allez, c'est parti. Alors, oh, tu te réveilles?
les amis, on va quand même amener notre ami au commissariat parce qu'il tient pas debout. Hein. On va amener toutes les images au commissariat avec nous. Le petit, l'enfant, il est dans la voiture avec Lucas. On va vite le récupérer. Et on va amener toutes les images au commissariat parce que malgré ce qu'il a vomi, eh ben, il n'a pas décuvé. Voilà, donc là, on va quand même l'amener au commissariat, comme je l'ai dit, parce que ce qu'il a fait, c'est assez grave. Hein, il se rend compte de rien. Là, il est déchiré complet. Donc, on l'amène au commissariat. Et voilà. Et le petit, pareil. Allez, arrête tes conneries. Allez. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas prévu. Donc, faites attention, ne buvez pas trop d'alcool. Parce que regardez l'état que ça vous met après. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Kamoff. Gros bisous à tous. Putain. Alors, on est allé au commissariat. Au commissariat, donc, ils ont pris en compte le petit, l'enfant. Lui, ils l'ont mis en cellule de dégrisement. Et apparemment, comme il était séparé, d'après ce que j'ai compris avec la police, en fait, le mec, il était séparé avec son ex-femme. Et il avait la garde de l'enfant. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, la mère serait venue récupérer l'enfant. Par contre, pour la voiture, comme vous le voyez, elle est là. La voiture, on s'est arrangé avec la police. Donc pour l'instant, elle reste ici. Mais apparemment, la voiture n'est pas trop en règle. Donc elle devrait partir à la casse. Au lieu qu'elle parte à la casse, je vais m'arranger pour essayer de la récupérer et faire des vidéos avec cette voiture sur la chaîne secondaire ou autre chose. On va essayer de la repeindre ou de la réparer. Je ne sais pas, parce qu'elle est vraiment dans un état lamentable. En plus, il a pas mal éclaté. Donc voilà. Allez à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à le faire. Et peut-être qu'on fera, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, qu'on fera des vidéos avec cette voiture. Voilà, si, à part si elle part à la casse. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rajouter le frérot Lucas sur Instagram et Maître Cohen sur Instagram aussi. En tout cas, merci à eux parce que s'ils n'étaient pas là, ben, on n'aurait pas pu. Ils sauvent pas cette voiture ou quoi? Bon, vous savez ce qu'on va faire? Allez sur la chaîne secondaire, on va faire une présentation de la voiture pour vous montrer l'état. Ciao, chaîne secondaire en description.